Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais faire une ATC. Enfin, peut-être j'en ferai plusieurs à la suite, je ne sais pas, je verrai. C'est une première pour moi, du coup, soyez indulgents. Voilà. Je vais prendre du papier. Bien sûr, je vais le faire avec des chutes de papier. J'ai plein, plein, plein de chutes de papier. Du coup, on va faire ça qu'avec des chutes. Voilà. J'aurais pu partir en mix média, mais non. Je vais partir avec les chutes de papier. Du coup, là, je vais prendre du papier rouge. Alors, ça, c'est celui que j'ai acheté chez les sœurs Brune. Voilà. Parce que pour moi, Noël, c'est rouge à la base. Voilà. S'il y a bien une période où je me sers du rouge, c'est bien à Noël. Voilà. Donc, j'ai mesuré l'ATC que j'avais reçu de Maric. Voilà. Donc, en fait, ça fait 6,4 sur 8,9. Si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, je vérifie. Je viens de le mesurer, c'est terrible, mais je viens de le mesurer. Oui, voilà. Donc 6,4 sur 8,9. Du coup, pour mon ATC, moi, je vais multiplier. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Je vais multiplier puisque je vais faire un ATC qui s'ouvre, tout simplement. Donc, puisqu'elle, elle a fait pareil aussi avec ça. Donc du coup, je vais consolider le truc. Je pense que... Ouais, je vais faire comme ça. Comme ça, là, je peux décorer. Je sais pas, en fait, c'est la première fois que j'en fais. Alors, quoique non, je peux faire directement un ATC comme ça. Donc non, on va pas... Je vais faire simple. Donc 6,4. Sur 8,9. Donc là, j'ai mon ATC. Du coup, je vais en couper, je vais en faire deux. Donc je recoupe à 8,9. Même j'aurais pu en faire plusieurs en fait. Ouais, du coup, soyons fous, on va en faire plusieurs. Je reprends le papier. Et je recoupe à 6,4. Et je recoupe à 8,9. Il pourrait faire des mesures simples, hein? Je vois pas pourquoi. Ça doit être des mesures américaines, je pense. Donc voilà. Non, j'ai mon petit. Petit bout de papier. Du coup, je vais venir les travailler comme ceci. Voilà. Donc, je vais les travailler un peu avec des chutes. Me servir aussi peut-être des petites chutes fines comme ça aussi. Voilà. Donc, je sais pas trop en fait. Du coup, je vais venir prendre un bout de carte de papier noir. Je vais venir y mettre un peu de double face et je vais venir faire je vous l'ai montré en je vous ai fait un tuto avec une carte facile avec des chutes. Donc c'est le même principe. Du coup
faut du coup, il faut juste que je retrouve mon cutter. Voilà, hop, qui est là. Et oui, parce que du coup, j'avais un peu tout rangé. Je pensais aller en bas. Mais là, il fait trop froid. Et comme j'ai toutes les chutes en haut, du coup, j'ai dit, je vais le faire en haut. Voilà, tout simplement. C'est... Donc, je vais plutôt faire dans les chutes rouges, blanches et tout ça, noir, enfin grise, plutôt que les chutes bleues, tout ça. Après, c'est comme vous voulez. Moi, c'est parce que Noël, c'est rouge. Rouge, vert, doré, blanc. Donc, voilà. Hop, ça, c'est fait. Du coup, je vais venir couper mes papiers à... alors, il y a deux solutions. Ou on peut le faire d'un coup et après on coupe. Mais moi, comme je ne sais pas trop où je vais, du coup, je vais vouloir plutôt faire petit à petit. Donc, je vais couper à 6, puisque ça fait 6,4. Et je vais couper à 8,5 puisque ça fait 8,9. Donc là, j'obtiens ma seconde base qui viendra se poser, qui sera un peu plus petite, voilà, que l'autre. Donc je vais en faire plusieurs. Donc voyons si je fais ça plutôt 8,5. Sur 6 et l'autre, est-ce qu'il fait 6? Est-ce que je vais en tirer 2? Oui, voilà. Donc j'ai 3 bases de cartes, j'en ferai une autre après hors caméra. Donc là, ben, je vais prendre mes petites chutes de papier, voilà, tout fin. Donc ça, c'est les chutes des kits pas peur de luxe, hein. Mais après on le fait avec toutes les chutes qu'on veut, hein. C'est parce que c'est celles qui sont que j'ai sous la main et les papiers aussi de chez Action. Voilà, donc tout simplement je vais venir décoller tout ça. Ah, ma petite poubelle. Ouais. Donc là. Et là, je vais venir prendre mes bandes de papier. Et je vais venir les positionner tout simplement. Donc là, je vais commencer au milieu. Je ne vais pas m'embêter. Hop. Et je vais venir les mettre par-ci, par-là, bah, suivant les couleurs que j'ai envie. Tout simplement. Bien sûr, là, je ne fais que coller à ras. Donc là, moi, j'aime bien avoir mélangé bien comme il faut les couleurs. Donc, hop. Je me cale. Voilà. Et ça, on le fait tout le long. Je vous ai fait un tuto il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours, ouais. Je sais pas quand c'est qu'il est sorti. Pareil, je faisais une carte comme ça. Mais je trouve que c'est une bonne astuce pour justement se servir des chutes comme ça, que normalement on devrait jeter. Mais c'est dommage de les jeter. Enfin, moi, j'ai du mal à les jeter. Donc, voilà. Et là, on continue ainsi de suite. Alors, vous voyez, je ne me prends pas la tête. Hein, il y a plusieurs tailles. Ben, voilà, c'est... Je fais la TC pour le groupe Facebook. Voilà. Et je suis très en retard. Là. J'ai un autre rouge. Je vais mettre celui-là.
suffit d'envoyer là. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Donc là, je vais mettre celui-là là. Je pense que je vais en faire une avec vous et après je le ferai sûrement hors caméra. Je pense que ce sera le mieux pour vous. Pas que je vous saoule de trop. Donc là, bien entendu, je maintiens et je viens couper un ras. On peut aussi le faire au massicot, si on a envie. Voilà, on coupe. Avec un cutter qui coupe bien, c'est mieux. Moi, mon cutter, là, il est un peu mort. Mais... j'ai le 9 en bas. Hop. Donc, je pense qu'on va en faire une ensemble. Et après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vois qu'il manque un petit bout, donc je viens le rajouter. Hop, je vais pas y arriver. C'est parce que j'ai pas dû assez appuyer. Donc là, hop. Et hop. Voilà ce que ça donne. Là, et là, on n'a plus qu'à venir le coller ici. Voilà. Bien sûr, si on veut, on peut encore mater de blanc ou de noir, faire ce qu'on veut. Moi, je vais le laisser comme ça pour le coup. Je vais juste prendre mon pliseur pour venir bien appuyer dessus pour que ça prenne. Voilà. Hop, excusez-moi. Ça me gêne trop. Et encore, c'est la petite à terre. Donc voilà. Là, on va venir coller après. Moi, je vais le coller avec de la mousse 3D. D'accord. Et là, on va venir voir ce qui nous reste en carterie. Donc voilà. Je voudrais en faire plusieurs. Mais. J'ai jamais fait, je coince un peu en fait. Ça va être trop gros, ça passera pas. Donc je vais en faire une avec ces étiquettes là. Hop. Voilà, donc je vais venir voir ce que ça donne avec des petits mots par-ci par-là. Hop. Et après, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Ben, je crois que ça va être tout. Hein. En fait, on peut pas mettre grand-chose. Je vais y mettre cette étiquette là aussi. C'est petit, du coup on peut pas mettre grand chose. Donc on va vite avoir fait le tour. Donc je vais coller ça déjà. Donc ce que je fais, c'est que ça, je vais prendre ma mousse 3D. Voilà. Et je vais venir en mettre derrière. Bien entendu, on peut aussi... j'ai les aimants qui se sont collés. On peut aussi ancrer. D'ailleurs, peut-être je vais ancrer. Ça donnera un peu de style aussi. Parce que du coup, je trouve que c'est un peu trop facile comme ça.
après, c'est parce que je fais ça avec les restes, hein, les chutes, donc c'est peut-être pour ça. Donc, voyons, est-ce que j'ai mon encre? Alors. J'ai la mousse, c'est déjà pas mal. Et donc, j'ai mon encre. Donc, je vais prendre la Oxide Vintage Photo. Je vais quand même abîmer un petit peu hein, aussi, à y être. Donc, avec les ciseaux. Voilà, je frotte. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir ancrer. Mais j'ai pas la bonne mousse. Bon, tant pis, on va faire avec. Donc, je viens ancrer. Normalement, il faut une mousse par couleur. Mais là, comme c'était une couleur très claire, du coup, ça va. Voilà. Ça rajoute un peu de style. Du coup, là, je vais venir aussi ancrer les bords de ma carte. Voilà. Et du coup, par contre, j'aurais bien envie de venir mettre un tampon d'horizon créatif. Donc qu'est-ce que j'ai? Noël, non, et j'en avais un autre. Voilà, j'avais envie de mettre le joyeux Noël, qui normalement devrait y rentrer. Ouais, on va le mettre un peu en travers. Du coup, je vais mettre celui-là. Je les mets de côté. Donc ça, du coup, je sais pas si je vais le mettre. Je vais voir. On va voir après. Du coup, je vais mettre de la mousse ici aussi. Bien sûr, vous pouvez le coller à la colle au bout de face. Moi, j'aime bien quand il y a du relief. Donc moi je mets de la mousse, mais bon, celles qui me suivent savent que je mets de la mousse un peu partout de toute façon. Donc voilà. Là. Et l'autre côté. Là, je vais juste enlever ce côté-là. Voilà, ça. Je viens le coller. Hop. Voilà. Donc là, pour le sens, on choisit comme on a envie de le mettre. On s'embête pas. Et là. Donc voilà. Là, je vais venir voir. Hop. Je trouve que c'est un peu trop simple. Je vais prendre ce papier-là. Et là, je vais venir tamponner Joyeux Noël. Je suis comment que j'ai la même tour rouge. La noire. Non, ben, vous savez quoi, je vais tamponner à la distress, tout simplement. Non, par contre, là, j'ai pas de plaque, donc je vais faire ça un peu comme ça. Normalement, ça s'enlève, hein, c'est autocollant. Mais moi, j'ai pas, comme je m'en suis servi, j'avais pas les plaques. Donc là, je viens tamponner. Joyeux Noël. Alors, avec la vintage, en plus c'est la oxide, du coup ça fera un effet vieilli. Pas un tampon nickel. Normalement, voilà, vous voyez ce que ça donne. Du coup, là, je viens couper. Mimi, laisse mes affaires. Il y a le chat, il veut scraper.
Donc là, je le coupe. Alors, hop. Je viens voir ce que ça donne ici. Là, c'est un peu grand. Même en faisant les angles, j'ai peur que ce soit un peu trop grand. Voilà, comme d'habitude, ma vidéo n'est pas préparée. On fait ça comme ça, on est entre nous. J'ai le chat derrière qui m'embête. Je sais pas si on peut faire dépasser ou pas en fait. C'est ça qui me dérange. C'est que moi je ne sais pas. Et j'avoue qu'en plus tout ce qui est vidéo ATC, tout ça, je regarde pas trop puisqu'en général, j'en fais pas. Donc c'est vrai que je maîtrise pas trop. Là j'ai voulu faire ma maline, mais là je coupe un peu à ras en fait, hein, pour que ce soit un peu moins gros. Mais je voudrais pas couper les jolies règles. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je fais quand même les angles pour que ce soit plus joli et que ça rentre un peu mieux. Ouais. Ah si, là ça va. Mais j'ai bouffé un peu le J. Maintenant, hop. Ouais, comme ça. Donc, pareil, je viens mettre de la mousse. Ça, je le remets là avant de le perdre. Hop. Donc, je viens coller. Ah non, je vais l'ancrer d'abord. Abîmer un peu et ancrer. Alors, léger, hein. C'est vraiment manière. Vous voyez, je ne frotte pas fort. Hein. Je viens l'ancrer. Si vous voulez que votre tamponnage ressorte plus, bien sûr, vous pouvez l'ancrer avec de la Memento marron, avec de la Versafine marron, avec du noir, faites ce que vous voulez. Moi, c'est parce que je veux que ça s'intègre au vintage. Hein. On est bien d'accord que... Donc, je viens le mettre comme ceci, en travers. Peut-être de l'autre côté. Ouais, je vais le mettre en travers comme ça. Hop. Non. Attendez, hop, voyons si ça se décolle. Je fais que des bêtises. J'aurais voulu le décaler un peu plus finalement. Donc je vais faire partir d'en haut ici et le faire descendre. Hop, voilà. Là. Oui, je sais. Je ne sais pas ce que je veux. Mais... C'est comme ça. C'est improvisé. On ne se prend pas la tête. Hein. Et donc là. Hop. Du coup, parce qu'en fait, je voulais cacher le... Voilà, comme ceci, moi ça me va. Du coup, je vais juste venir mettre les petites étiquettes que j'avais. Si je les retrouve. Je ne sais pas où je les ai mis. Et alors, chercher des petits bouts de papier sur des petits bouts de papier et des... Bon, on va en trouver d'autres. Du coup, mais je voudrais du blanc pour faire ressortir parce que du coup, c'est rouge. Hein. Donc, ah, ben, là, je vais mettre le petit... la branche de sapin, voyons. Non, c'est un peu trop beau. Si
C'est un peu trop gros. Et ceux-là, là, les petits sapins comme ça. Ouais, on va mettre les petits sapins verts du coup. Ça va faire ressortir. Enfin, ça va plutôt éclaircir, je veux dire. Ça va. Donc, voyons comment on va les mettre. Je vais les coller directement à la colle. Hein, je ne vais pas m'embêter puisque c'est un peu petit. Donc ça. Et là, je vais venir en mettre un petit peu par-ci, par-là, où j'ai envie. Donc, voilà. Sur le côté, et je pense que ce sera bon. Hop. Ici. Donc, voilà, un peu en travers. Non, voilà ce que ça donne. Moi, je vais arrêter là parce que je trouve que c'est largement assez. Peut-être en mettre un ici qui sort du joyeux Noël. Voilà. Et puis, ce sera tout parce que c'est largement assez chargé, je trouve. Donc, on va arrêter là. Hop. Donc, voilà. Un ATC de fait. Donc, moi, je vais faire les autres. Il est bien entendu que derrière, je viendrai marquer les infos. Donc, il faut marquer le nom, le prénom, le pseudo, l'adresse, parce que c'est comme série. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais faire les autres et puis on se retrouve de suite après. Du coup, voilà. Alors, je suis désolée, mais il est tard, du coup, et ce qui explique la lumière et que je parle pas très fort. Voilà, je viens de finir. J'en ai fait 4 ATC. Du coup, je vous montre ce que ça donne. Je suis désolée. Je vois que c'est pas terrible, la lumière, mais voilà. Donc, mais je voulais absolument les faire à la suite, puisque je voulais qu'elles partent demain. Voilà, donc puisque je suis très en retard. Puisque c'est pour le groupe Facebook de On se rapote avec vous. D'où l'idée du calendrier de l'Avent avec des ATC. Mais j'ai été complètement en retard, comme d'habitude. Il faut que j'arrête de m'engager dans des trucs où il y a des dates. Parce que je suis toujours à la bourre. C'est un truc de dingue. J'arrive jamais à être à l'heure. Mais bon, ça va. On n'est pas encore au 24. Donc... non, je pense que c'est celle-là que j'enverrai peut-être pour le calendrier, je ne sais pas. Bien entendu, vous verrez cette vidéo quand ce sera fini, puisque je veux que les filles du groupe qui me suivent aient la surprise aussi. Donc, voilà. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Donc derrière moi, j'ai juste à marquer mon nom. C'est quoi qu'elle a marqué? Nom, adresse. Je ne vais pas y arriver avec ça. Nom, prénom, mon pseudo et l'adresse et ce que c'est. Ok. Et le nombre qu'il y en a. Donc il y en a 4. Donc je pense que ce sera le numéro 1 sur les 4. Et après ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on peut faire qu'avec des chutes. Voilà, bien entendu, il y a beaucoup de façons de faire des ATC. Je pense que dès que j'aurai 5 minutes, j'en ferai en mix média, puisqu'à la base, je voulais les faire en mix média. Mais bon, malheureusement, par manque de temps, je n'ai pas pu, mais je trouve ça sympa. Et moi, c'est aux couleurs de Noël, donc moi, ça me va. Bon, vous ne le voyez pas, mais c'est un peu en relief. Mais pas trop non plus, puisque ça doit partir dans une enveloppe. Donc, j'ai peur que ça s'abîme. Voilà, je ne vais pas arriver à vous les tenir toutes les 4 en même temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est parfait. Et du coup, comme j'étais dans les petites, dans les chutes et tout ça, j'ai préparé quelques cartes. Bon, pareil, je viendrai mettre un mot derrière. Puisque là, à l'heure où sortira cette vidéo, vous serez au courant. Donc je suis, j'ai adhéré à Keepers Créatif.
Donc ben là, je suis animatrice Keepers créatif. Et du coup, à être dans les chutes et tout ça, j'ai dit, je vais préparer des petites cartes pour mettre dans mes commandes. Donc, alors là, j'ai pas fait de taille comme l'imposent les ATC, tout ça. C'est comme c'est venu par rapport à ce que enfin, à mes chutes et ce que j'avais envie de mettre. Donc, par exemple, j'ai fait celui-là. Donc là, ça s'enlève. C'est maintenu avec un ruban. Derrière, on peut marquer un mot. Et là, derrière aussi, je viendrai coller un papier pour mettre un petit mot. Voilà. Après, j'ai fait celle-là, toute simple. C'était manière, parce que j'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc ça, c'est les exemples des cartes sur les blocs carterie. Voilà, que je récupère toujours et je trouve que ça fait super joli. Du coup, comme c'est petit, j'ai pas décoré autour. Je voulais pas que ça fasse trop charger. C'est manière de mettre un petit mot. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Pareil, c'est un 3D. Et c'est avec les chutes, les die-cuts qui me restent. Hein. Donc, des papiers, c'est des chutes. Et ça, c'est ce qui me reste en die-cut. C'est légèrement, mais légèrement ancré. Mais très léger. Ensuite, j'ai fait celle-là. Donc, pareil, je viendrai coller un papier derrière. Ou écrire avec un stylo blanc. Je ne sais pas, je verrai. Et j'ai fait celle-là, très très simple. Mais je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même. Parce que cette tête de serre est trop trop belle. Du coup, voilà. Donc, je glisserai ça dans les commandes des filles. Et je pense en faire d'autres dès que j'aurai le temps. Je voudrais prendre un peu d'avance. Pas être débordé après au moment des envois car je tiens à leur faire la petite carte avec puisque voilà un minimum ça coûte rien faire à part un peu de temps mais bon voilà donc bah, écoutez j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu voilà soyez indulgents c'est mes premiers ATC. Moi, je suis assez contente du résultat. Franchement, j'avais un peu peur puisque je ne savais pas trop comment partir. C'est la première fois que je fais ça. Et la taille me limite pas mal dans ce que je veux faire. Mais du coup, ma foi, je trouve que c'est assez sympathique. Et je pense que j'en ferai d'autres. Qui sait, peut-être même en faire pour mettre bah, dans les envois et tout. Je ne sais pas, je vais voir. Mais je trouve très sympa. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.